Bonjour tout le monde, et enfin on voit mon visage. C'est avec plaisir que j'ai pu investir sur une petite webcam. Et sans plus tarder, on va voir la suite de Prépa. Tout à fait, c'est bien lui. Par chance, ils ont tous cru que j'avais buté Franck et que je m'étais occupé du Maccabée. Et son propre enterrement s'est déroulé sans lui. La mafia organise toujours de grandes funérailles pour les mecs importants, où ils laissent de côté leurs différends et leurs petites querelles, et leurs morts. Le défunt est toujours présenté sous son meilleur jour. Les gangsters respectent tous la règle, pendant les funérailles. Et y a pas que Don Salieri et des mecs de chez nous qui ont fait de beaux discours sur leurs meilleurs potes. Mais même Morello et d'autres truands. Morello et Salieri se sont même tombés dans les bras. Allez voir, on n'aurait jamais cru qu'ils étaient des ennemis jurés. Franck se serait retourné dans sa tombe s'il avait été dedans. Tout avait l'air de s'arranger. J'ai juste dû trouver une explication pour la famille de Franck. Vu que Don Salieri, évidemment, il voulait aider la veuve et l'orpheline jusqu'à la fin de leur jour. Et je pouvais quand même pas lui dire qu'il se la coulait douce en Europe avec Franky. Tommy, je crois que nos problèmes sont pas finis. Le procureur qui a monté Franck contre nous continue de remuer la merde. Et j'ai entendu dire qu'il a même des témoins. On dirait que le conseiller dont a descendu le môme veut nous le faire payer cher. Le procureur est un bon ami à lui. Si on s'en occupe pas comme il faut, ils vont nous causer de gros ennuis. Ça sent pas très bon. Le problème, c'est que ce procureur fait confiance à personne. Il garde toutes ses preuves contre nous dans un coffre de sa villa. Sam et Polly s'occupent déjà des témoins. Et il faut que tu récupères ses preuves, Tommy. Comment je vais y arriver? Eh ben, ce soir, on a une occasion en or. Monsieur le procureur a décidé de sortir. Et la baraque sera vide. Enfin, presque. Personne à part les gardes de la sécurité. Bien sûr. Et son bureau sera désert. Sa villa est dans le quartier des millionnaires. Monsieur le procureur n'est pas ce qu'on appelle un fauché. Merci, Luigi. La manière dont tu entres, Tommy, ça te regarde. Mais attends-toi à tomber sur des gardes autour de la villa. Une fois à l'intérieur, pas de problème. Elle sera déserte. Le bureau du procureur est au rez-de-chaussée. Et il doit y avoir un coffre dans le mur. C'est pour ça que tu dois y aller avec Salvatore. Ce mec sait ouvrir à peu près tous les coffres du pays. Dès que t'as les preuves, tu calte-fils ça avant que le procureur débarque. Bien, Don Salieri. Où est-ce que je trouve ce Salvatore? T'as rencard avec lui dans Hoboken, au coin près du stade. Prends-le en passant, c'est sur la route. J'espère que tu piges à quel point cette affaire est importante, Tommy. Buona fortuna. Je ferai de mon mieux, boss. Ah, Tommy, au cas où tu tomberais sur notre ami le procureur, surtout tu ne le butes pas. On a déjà assez d'emmerdes. Vous pouvez compter sur moi, boss. Ok, parfait. Alors... L'histoire de Franck a vraiment foutu un coup à Don Salieri. Il culpabilise sûrement, mais je crois qu'il a aucune raison. Fallait le faire, c'est tout. Mieux vaut mourir honorablement que trahir la famille et vivre comme un paria. L'histoire de Franck a vraiment foutu un coup à Don Salieri. Okay. Il culpabilise sûrement, mais je crois qu'il a bon, aucune raison. Bon, avons-nous une nouvelle bagnole, je pense. Mieux vaut mourir honorablement que trahir la famille et vivre comme un paria. Salut, Tommy. De quoi t'as non, besoin? J'ai pas de nouvelle bagnole. Est-ce que je vais voir Vincenzo? Normalement quand même, je vais cambrioler une bagnole, une baraque. J'ai quand même bien le droit à un flingue, non? Salut Vincenzo. Oui. Ce soir, je cambriole une baraque. Alors il me faut un truc discret. Je crois qu'une bonne vieille batte devrait faire l'affaire. Si tu frappes un mec sur la tête par derrière, il se tiendra peinard pour un moment. Mais comme on sait jamais, prends aussi ce Colt ah, 1911. Ah merde. Je m'attendais à ce qu'il me refile. Je croise les doigts pour toi, Tommy. Merci, Vincenzo. On va remarquer quand même le Colt 1911, c'est toujours sympa. Alors...
Ok, c'est une arnaque. J'ai que 14 balles. J'ai la flemme de sortir une belle bagnole. Oh non. Je vais prendre celle-ci. Elle est sympa. Allez, c'est parti pour une magnifique prestation. Ouais, bah voilà. Hop, il suffisait que je détache mon regard mon écran. Je me cogne directement. Oh, pardon! Les mecs, ça m'arrive. Allez, hop, c'est un petit moment que j'ai pu jouer. Un petit tour chez les riches. Ouais, bah j'aime bien, j'aime beaucoup le début. Avec. Enfin, ça, c'est dommage qu'il ne montre pas Salieri dans les bras de Morello. Mais c'est vrai que ça fait un peu penser à la scène du. Enfin, j'ai pas envie de spoiler. Non. Mais voilà. Alors, ok, c'est un Robocon, si je me rappelle bien. Attention! Je sais pas. Ça va pas la tête! Police! Police! Ça va, ça va. Il est tard, ouais, les flics qui dorment. C'est vrai que la nuit, je me rappelle la mission, je sais pas si vous vous rappelez de la mission où il y avait le kart, enfin pas le kart, le bolide. Où il y avait le bolide et j'ai pas rencontré un seul flic. Ça me semble pas. Bon. Oula, 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 oula. Ok. C'est pas grave. Y arriver. De toute façon, ça va, y a pas encore de course, je dois pas tout suivre. Peut-être que j'aurai besoin de la bagnole pour me casser rapidement. Faut pas trop que je laisse. Je l'abîme. Dommage qu'il n'y ait pas de musique pendant la nuit. Et du coup, oui, voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas pu poster de vidéo, j'avais changé de logiciel, j'avais changé de j'avais pas mal déménagé, j'ai déménagé au moins 3 fois depuis mes dernières vidéos. Du coup là j'ai pu uploader mes derniers let's play, mais j'avais jamais pu prendre le temps de les éditer. Et me voilà enfin stable avec une bonne connexion, avec tout ce qu'il faut, un bon PC, une belle webcam je trouve, là j'ai fait pas mal de vidéos. Et enfin un vrai micro. Plus rien pour m'arrêter et de spammer mes vidéos. Du coup, oui, voilà, j'ai des petits projets après Mafia. J'hésite encore. Voilà. Bon, c'est pas grave, 4 PV, c'est gros. Ouais, j'ai du petit projet, voir quel jeu je vais faire. J'hésite un petit peu pour le jeu que je vais faire après. Mais voilà, en tout cas, je remercie ceux qui ont pu Heisenberg et l'autre, j'ai complètement zappé ton pseudo. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent quand même. Hop, attention, oh là, j'ai rien dit, il y a quand même des flics là-haut. Ah mais attendez. Hop. Comme j'aime bien. Attends, non, non, non. Dégage. Je vais t'avoir, toi. Et merde. Non. C'est la dernière fois que tu fais ça. Tiens. C'est la dernière fois que tu fais ça. Ne m'énerve pas. C'est catastrophique. C'est complètement catastrophique. Mais juste nul à chier. Ok, il fallait que je fasse ma connerie juste pour un petit flingue de merde, mais il y a plein de munitions. Hein. C'est pratique. Vous allez voir qu'en plus je vais même pas m'en servir. Pas du tout. C'est scandaleux ce que je viens de faire. Je me sens honteux. Bon. Oui, bah j'ai pris un peu de retard. Hein. J'ai tabassé un flic dans la rue. Salut chef. Allons-y. Parfait. Mais où est-ce qu'on va? Ok. Alors comme ça, il paraît que tu peux ouvrir n'importe quel coiffio? Pratiquement tous, chef. Et où c'est que t'as appris à faire ça? Mon grand-père était du métier, j'ai repris l'affaire. Mais les coffres s'améliorent et c'est du boulot de rester à la page. Il y a certaines tirelires plutôt coriaces à forcer. C'est
C'est vrai que je me suis toujours dit que les mecs qui sont serruriers et autres, ils ont quand même un savoir-faire qui fantasmait pas mal de s'imagine de geek ou de joueur de jeu de rôle qui a bien joué les voleurs. Parce que quand on joue, je sais pas moi, Oblivion ou autre, quand j'étais Morrowind ou même Baldur's Gate, c'est pareil, c'est un clic quoi pour faire. Pour projeter une serrure et là. Ah, attends, je me suis peut-être complètement gouré. Eh merde. Attends. Voilà, faut que je reprenne la route là. Youpi! Allez, bon, ouais, voilà, c'est très facile. Oh, on va te faire foutre. Flamme de tabasser à notre flic. Non, mais voilà, donc, oui, c'est oreiller, c'est quand même vachement complexe. Et, oh, ouais, ça va. Alors, je remarque qu'il a l'air de faire suffisamment tard. Alors, je sais pas quelle heure il doit être dans le jeu. Il n'y a pas moyen de le savoir. Non. Mais il y a encore des trams à cette heure-ci. Non, on remarque que la population là qu'il y a, il doit y avoir 21h, 21h30. Bon, allez. Et ça grimpe. À descendre, c'est très rigolo. Mais vous pouvez vous en douter avec mes talents formidable de conducteur que... Bah regardez, même l'IA elle déconne. Elle sait pas gérer la descente et la vitesse. Donc là voilà. Ils sont bumpés. Et comme d'habitude, bah, je suis toujours ébahi par la qualité des graphismes. Peut-être pas là c'est bien dégueulasse. Là, les textures sont bien étirées. Mais sérieusement, 15 km/h. Je peux pas faire plus, hein. Je suis au plancher. Mais non, mais dans la vidéo, dans les visages, ça m'impressionne. 2001, le jeu est sorti, 2001, 15 ans, il y a 15 ans. Et c'est même pas un gros studio, c'est ça qui m'impressionne, c'est que c'est... Le jeu est extrêmement bien optimisé, il marche bien, il y a... C'est fou. Allez. Bon voilà, on monte, je pense. Oulé. Ah, de toute façon, les riches ils vivent sur les collines et comme ça ils ont plein de thunes et comme ça leur argent, tellement qu'ils ont des sous qui va. Bon, on y est. Ah merde. J'ai arrêté mes conneries. Oula, oui, non. Bon, j'ai arrêté de dire des bêtises. Non, mais en fait, pour ceux qui connaissent, il y a une série qui s'appelle Dinosaur qui est, je recommande vivement. C'est une société avec des dinosaures qui. À peu près comme vous et j'ai vu un épisode aujourd'hui qui était pas mal non voilà qui était pas mal sur sur une élection et puis en fait le grand patron méchant favorisait les riches et puis il dit un truc assez con sur les riches sur la colline mais... bref voilà tu m'ouvres cette porte s'il te plaît non tu peux l'ouvrir Salvatore voilà. Je vais essayer. Techniquement, je crois que juste la batte de baseball suffira, mais bon. On va pour le début. Et voilà, chef. Tiens-toi, Pénard, fais exactement ce que je te dis. Okay. Viens ici.
Salvatore. Ok, cool. Je vais te mettre là. Attends ici. Oula, non, non, non. La musique ici est excellente. Alors, attendez, excusez-moi, mais... Voilà. Pour le plaisir des oreilles. Alors, on va voir si j'arrive à faire un meilleur hit que sur le flic. Bonjour, on n'entend pas du tout le bruit des graviers. Demi surprise! Hop là! Ok, j'ai un pompe. Mais je crois qu'il faut que je garde encore. La batte? Ah merde! Oups. Et oui, parce que je peux avoir qu'une grande arme cachée dans ma veste. Et une arme, une grande arme. Ouais. C'est quoi? Rien à foutre. Ok, c'était nul. Je vais méchamment douiller. Ok, désolé, c'était très nul. Tiens-toi, peinard, et fais exactement ce que je te dis. Tiens, viens là, toi. Attends ici. Voilà, non, par là. Allez. Oh, oh. Remets-toi contre le machin, toi. Allez. Mort. Allez, c'est la dernière. Tiens-toi, peinard, et fais exactement ce que tu dis. Voilà, tu te mets accroupi. Accroupi. Attends ici. Voilà. Allez, on va faire ça propre. Techniquement, je me demande si je peux pas passer. Mais j'ai envie de tous les tuer, mais peut-être que. Est-ce que je l'attends de full furtif? Peut-être plus intéressant, mais en même temps, je pense que j'ai un très très bon talent de visée, donc attention, voilà. Allez. Le truc, c'est que... Aïe. Allô maman, bobo. Ils sont méchants, ils sont pas beaux. Ok. C'était pas si mal au début. Mais la suite était bien nulle. Là, les derniers coups de pompe que je me suis pris dans la gueule.
Aïe 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 aïe. Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai plein de munitions. Maintenant, la mauvaise nouvelle c'est qu'un tir, une mort. Et la suite va être très compliquée. Eh regardez, c'est trop loin, je crois que je peux le faire. Non, ok, je peux pas abîmer. Entre nous, la batte de baseball. Rien là. Voilà. C'est pas tout, il y avait encore d'autres gardes. C'est sûr. Si je devrais pas essayer de checker un peu les alentours. Ça c'est une connasse. Ah, j'aurais dû utiliser la batte de baseball pour un choix moral. Un choix moral assez compliqué. Je vais la laisser en vie, mais je crois qu'elle l'appelle tout le monde. Bon, bah non, c'est bon, en fait, je crois que j'ai tué tout le monde, c'est parfait. Alors, on va passer par la porte de devant. Eh ouais, dommage, y a pas d'eau. Admirer ce... Franchement, c'est beau quand même, enfin, je veux dire... Ils sont bien fait chier à faire un peu toutes les chaises. Je sais pas, je m'étonne peut-être de rien, hein, mais. Mais bon. Il y a même des interrupteurs, quoi. Ok, je devrais peut-être ramener, en fait, le mec là. Polo, un truc comme ça. C'est bon, Polo, c'est vide. Tu peux venir. Caché derrière la statue, ouais. Hop. Allez, viens par là, mon mignon. Hop. Suis-moi, attends ici. Non. Suis-moi. Bon. Ça aurait pu être intéressant, une histoire un peu... J'étais en train d'imaginer ce manoir un peu flippant, un peu à la Cthulhu, Lovecraft. Y a moyen de faire des trucs sympas. Et je me dis, je me demande s'il n'y a pas des modes qui ont été faits. Parce que bon, c'est pile dans les années. Dans les années des, où les histoires prennent place. Non. Non, dégage. C'est pas la bonne salle. Qu'est-ce qu'ils font avec toute cette place, quoi? À quoi sert toute une grande maison? Quand je jouais aux Sims, par exemple, je me suis dit, ouais, je vais me faire une grosse baraque et tout ça. Mais, enfin, concrètement, à quoi sert cette salle? Voilà. Cette salle, par rapport à... Je sais pas, moi. Par rapport à celle-ci, honnêtement, quelle est la putain de différence? Quoi, il y a mes chaînes à couture et là-bas, non. Là, il y a le piano. Et là-bas, il n'y a pas de piano. Mais, enfin... Voilà, ou même c'est quand je crée mes jeux de rôle, ben parfois quand je crée des grandes maisons, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire comme salle? Voilà, il y a un salon numéro 1, un salon numéro 2, une bibliothèque, ça c'est quoi? C'est un range-merde. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Hein. Salut chérie, t'as passé une bonne journée? Ben ouais, ça va. Tranquille.
Je vais me taper la meuf du mec. Ça serait drôle. Non, y'a personne. C'est pas moi la petite fille. Alors, est-ce que c'est là? Non, ce n'est pas là. C'est fou comme la lumière, c'est bien. Je me demande si j'ai pas oublié une porte ici. Non. Oh, plus c'est grand. Ici. Ah. Bon, montre-moi ce que tu sais faire, Salvatore. Ok, chef. Ah, c'est pas Polo, c'est Salvatore. La bagnole que j'ai toujours rêvé d'avoir. Merde! Va falloir gicler de là en vitesse, Salvatore. Je l'ai eu, chef. C'était du gâteau. Mon dieu, alerte! Quelqu'un a tué un gars! Ok, très bien. Mais d'abord, avant de le déposer, il faudrait qu'on... Ah, aïe, 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 aïe. Aïe, caramba! Allez, 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 allez. Faut qu'on tourne. Faut qu'on se casse de là. Bon, ça va, elle est pas si difficile que ça comme mission. Bon, je suis mort quand même deux fois. Je me sens un peu ridicule, mais. Tiens. Voilà. Et là, normalement, on est pépère. Si vous pouvez me déposer, j'habite de l'autre côté de la rue au stade, pas loin de là où vous m'avez ramassé. Alors, je me demande par rapport au temps. Est-ce que je vais. Alors, je pense que comme j'avais dit, je vais. Je sais pas trop si je fais l'émission de Lucas Bertone ou pas, parce que. Enfin. C'est un peu long. Et pas toujours très intéressant, quoi. Ça consiste toujours à. Là-bas, il y a une voiture. Vas-y, va la chercher. Enfin, genre, ouais, t'as vu la bagnole que je suis en train de réparer? Ouais, elle te plaît, hein. Bah, ouais, bah écoute, tu peux pas la voir. Mais si tu m'aides. Je te dirai où est-ce qu'il y en a une. Enfin, je t'apprendrai à la crocheter et puis je te dirai où est-ce qu'il y en a une. Voilà. C'est toujours la même chose. Scénaristiquement parlant, c'est pas spécialement ouf. Et je vais juste galérer, parce que enfin, je suis forgé. Youpi! Vous savez, en fait, non, je vais arrêter là tout de suite. Oula, j'ai 5 PV. Je crois que je vais pas faire le kéké. Juste ramener l'autre. Et puis tant pis pour la belle bagnole, honnêtement. On peut très très bien faire ça. C'est vrai que c'est stylé, et puis même il y en a certaines qui sont vraiment très agréables à conduire. Mais. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez le mettre en commentaire, hein, si vous voulez que je le fasse. Moi, ça me. Dans une certaine mesure, mais si c'est pour faire la course à vos bagnoles, ça n'a jamais été trop mon truc, les voitures. Ah, vous avez pu vous en douter, mais okay. Oula, t'es sur un flic. Bon, bah finalement, c'était rentable. C'était rentable de faire ce que j'ai fait avec avec le pistolet là-bas. Là. Enfin, avec la batte pour récupérer un pistolet. Parce que
Vous avez vu, à un moment, j'avais plus de balles dans mon Colt 1911. Et l'avantage, c'est qu'il a un bon, une bonne vitesse d'attaque, ce petit pistolet, le Smith & Wesson. Même si tu fais pas beaucoup de dégâts, tu peux quand même empêcher un type de t'attaquer. Bah tiens, c'est ton chez-toi, là. Là. On est chez toi. On est devant chez toi. D'accord. C'est là que j'habite. Merci, chef. Okay. J'espère que ce sera plus peinard la prochaine fois. Ce soir, j'ai presque fait dans mon froc. J'espère aussi. Bonne nuit. Ah si, j'aurais dû tenter pour une seule fois de ma vie de le faire en full furtif. Parce que là, quand le mec il est arrivé, il a dit « Ah, il y a un garde, machin. Un garde qui est mort. Oh mon Dieu. » Et puis le bordel. Et puis là, du coup, il dit qu'il l'a fait dans mon froc. Mais peut-être que si j'avais fait ça d'une manière plus propre, il aurait pas dit ça. Maintenant, c'est que pour ma propre satisfaction, enfin notre propre satisfaction. Et maman. Ça change pas énormément de choses à l'histoire. Excusez-moi. Donc, on verra. Aïe. Ok. Bon, bah, j'ai fait de la merde. Il faut que je les sème, il faut que je les sème, il faut que je les sème. Et c'est pas comme ça qu'on les sème. Oh putain. Non, 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 non! Fabuleux, juste fabuleux. Bravo Raphaël. Si vous pouvez me déposer, j'habite de l'autre côté de la rue au stade, pas loin de là où vous m'avez ramassé. Ça marche, oui, t'inquiète. Bon. Voilà. Il faut que ça m'arrive, hein, ce genre de choses. De toute façon, j'ai l'impression que c'est qu'à moi. Voilà, il fallait que je fasse le con, il fallait que je sorte le pompe et que le mec il a eu un réflexe de ninja, mais c'est vrai que le jeu est un peu punitif, enfin pas punitif, mais on n'est pas dans un FPS classique où les mouvements sont extrêmement fluides, et quelque part ça rend le jeu un peu plus réaliste dans les mouvements, parce qu'on n'est pas tous des putains d'agents du SWAT, mais ah putain. On va prendre ça, voilà. Je t'ai dit de limiter à 60. Voilà, tu me limites à 60. Voilà. Oh, putain, je lui ai brisé un ongle. Et c'est comme ça qu'il réagit. Oui, parce que un PV, c'est quand même... ça se casse un ongle. Mais après, on dit souvent que les petites douleurs sont celles qui nous font le plus mal. Ah, pas prouf. Voilà. On va là. Oui, désolé, peut-être que la map fait un peu... la manière dont je me sers de la map, ça fait un peu... comment dire, épileptique. Je me demande si je ne vais pas utiliser le tramway. Je vais tenter de prendre le tramway de Central Hoboken jusque, enfin le tramway supérieur, enfin élevé là. On va voir. Je vais le prendre à Downtown. Première fois de ma vie que je vais m'en servir. Vraiment. C'est là que j'habite. Oui. Merci, oui, vas-y, casse-toi. Allez, dégage. J'espère que ce sera plus peinard la prochaine fois. Ouais, ce ouais, soir, ouais. J'ai presque fait dans mon froc. Allez, allez. J'espère aussi.
Bonne nuit. Ouais, voilà. Merde, j'ai déjà oublié. Poisson rouge. La gauche, puis ensuite deuxième à gauche. C'est quand même bien pratique de pouvoir sortir sa map comme ça pendant sa carte routière pendant que tu conduis. Non, mais en fait, c'est peut-être devenu aussi un réflexe parce que même si je connais mon chemin, j'aime bien voir où est-ce que j'en suis par rapport à mon chemin. Mais alors, est-ce que je vais aller dans la bonne direction aussi? Attendez, elle est où la station? Voilà, là. Downtown, ok. Et c'est quelle direction là? Aïe. Restez où vous êtes! Voilà, calme-toi. Ouf. Parce que si elle est tramway en bas là, il y a bien ça, non? Je sais pas, on attend. Bon, je vais attendre un tout petit peu. J'entends un bruit. Oui, chouchou. Et c'est la bonne direction en plus. Putain, attendez, mais je vais vraiment faire ça. Je vais vraiment monter dans le tramway. Et voilà. Me voilà dans le tramway. Allez, fermez les portes. Pip, 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 pip. Je peux m'asseoir? On revit les mêmes sensations des transports en commun. C'est incroyable. Mais je vais vraiment peut-être envisager de faire ça parfois pour certaines missions. Pourquoi avoir besoin d'une voiture quoi? C'est moins dangereux pour une personne comme moi qui sait pas conduire. C'est... Ah non, mais je découvre l'utilité du transport en commun, je crois. Hein. Parce qu'on va assez vite. Ouais, par contre, il met longtemps à la station. Il va s'arrêter à la prochaine station et il va m'agacer. Et on s'arrête à Little Italy et puis normalement on est bon. Vous croyez que je peux faire un meurtre dans le... Ouais, salut. Oh, il est vénère lui. J'aime pas trop la gueule avec laquelle il me regarde là. Il nous regarde hein, là, on est d'accord. Hein. Non? Bon, après le souci c'est vrai que l'intérieur ouais ça peut être un... Moi je trouve ça bien fait mais bon c'est vrai que les textures sont moches mais je sais pas. C'est quand même sympa. Et puis surtout pour éviter les flics. Les flics ils vont pas t'emmerder dans un train. Ouais. Allez encore deux arrêts. Ouais, c'est peut-être plus rapide quand même d'y aller en voiture, mais vous avez vu comme je conduis, avec mes 5 PV, jouons mon safe. Moi je dis, on sait jamais. Ah, bon. C'est un peu comme les stations essence, comme je vous avais montré, c'est vraiment inutile. Ça, pour le coup, c'est vraiment inutile. J'en vois absolument pas l'intérêt. Attention, ça va tourner. Est-ce que si je tire à travers la vitre, ça marche? Youpi! Ouais, j'avais besoin d'un peu d'air frais.
Ah non, hein. Ah non, 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 me dites pas que je suis coincé là maintenant. Ah putain, j'ai eu peur. Encore un suicide sur les voies, c'est ça? À mon avis, il a un peu déconné sur. Ah non. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Prochain arrêt. Ah voilà, donc du coup, je suis un peu. Voilà, vous allez voir enfin ma tête. Je vois si je peux faire un cadre. N'hésitez pas à laisser tous les commentaires sur la forme. Mais voilà, moi vous pouvez mettre une tête sur moi et je pense que c'est toujours beaucoup plus sympathique. Laissez-moi sortir. Bon, j'aurais définitivement mis plus. Enfin, j'aurais été beaucoup plus rapide en voiture. Mais parce qu'en plus là je dois me taper le chemin à pied. Mais je crois que je vais rentrer pour la première fois dans le bar par devant. Pas par la porte de derrière. Par contre j'ai perdu ma voiture du coup. J'ai perdu ma voiture. On va cacher l'arme. Oh allez. Oh putain je suis débile. Après tout ce trajet, non non, j'aurais coupé. Vu comme ça, ça fait un drapeau iranien là. Ou libanais, je sais plus. Bref. Bon. Hop là. Ok. C'est le débrief. Ah voilà, encore comme tout à l'heure en fait. Oui, du coup, il n'y a pas grand chose. Mais c'est pas grave, nous avons passé un petit moment ensemble dans les transports en commun de Lost Haven. Et c'est toujours avec plaisir que je partage ces moments avec vous. Eh bien écoutez, ben, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour la mission suivante. Voilà. Bonne journée. Enfin, ou bonne soirée, je ne sais pas. Ciao, ciao.